Salut, tu m'es français, c'est moi Alex, l'Américain. J'ai réalisé aujourd'hui que je ne vous ai jamais montré mon chien, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il est ici, Jasper. Jasper. Il est si mignon. Et il est assez vieux. Mais en fait, je ne sais pas exactement son âge, mais il est mignon et je l'aime beaucoup. Et maintenant, pour la plupart du temps, il n'est pas permis de s'asseoir ici comme ça, mais maintenant il a beaucoup peur parce qu'il y a de les coups de tonnerre dehors. Il y a de l'éclair et la pluie et les choses comme ça, donc il a très très peur des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on va le laisser rester ici pour longtemps. Mais ça m'a fait réaliser que je ne connais pas beaucoup des animaux domestiques en France. Et surtout les prénoms ou les noms qu'on utilise. Est-ce qu'on dit prénom pour les animaux? Je ne connais pas je ne sais pas les prénoms typiques pour les animaux domestiques en France. Donc, c'est ça que je veux vous demander. Si vous avez un chien ou si vous avez un chat, comment s'appelle-t-il? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'ici aux États-Unis, je ne sais pas. Je suis ici avec mon frère, en fait, alors je peux le demander. Nick, what are some typical American dog names, do you think? Spot, Yeah, Spot's like the most famous one. Fido, Fido. Old Yeller, Old Yeller. Is that really one? That's in a book, Rover. right? Rover. Yeah. Oui, en fait, le prénom le plus stéréotypique, c'est probablement Spot. Mais aussi, il y a comme Fido, Dash. What else, Nick? I feel like there are some that we're missing. What are some famous ones? Celestial names? Like what? Like Jupiter or Luna. No. C'est tout ce que je peux penser à maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup des autres noms et je vais les mettre ici quand je me souviens. Mais merci et j'attends avec impatience vos réponses. À plus.